Ah oui, par rapport aux youtubeurs Fortmas, là, Yotako et tout, là, si jamais vous voulez mettre des parties de ce live, vous avez le droit. Je le mettrai pas en main sur YouTube en fait. Donc vous avez le droit. Si jamais. Parce que là je vois des questions, mais en fait ça défile tellement. Pourquoi vous attendez pas que Walid finisse son contrat prise pour venir à la GL House? Y a pas d'incompatibilité avec Walid qui vient à la GL House ou pas. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, les frères. Le problème, c'est pas. Et en fait, y a jamais eu de choix entre Prism et JL. Je sais qu'il y a plein de gens, ils sont sur Twitter, ils ont dit oui. Thomas, il lui en veut parce qu'il a choisi Prism et tout. Ça a aucun sens, frère. Ça a aucun sens. C'est plus une question. C'était une autre question, tu vois. C'était une autre question auquel moi, frère, je lui ai dit, y a vraiment pas de galère, moi, Walid, frère. Juste, si jamais t'as besoin, moi, je serai là et tout. Maintenant, t'as fait ton choix. Et on peut pas l'attendre, imaginez on l'attend et il dit non, wesh. Non, oui, frère, ah, ça marche y... pas comme ça. Ça bah marche oui. pas comme ça, frère, tu fais un projet, c'est pas Moi-même, tarif. En tant qu'influenceur. Moustouf en tant que manager. Et Moustouf en tant que manager. Liberto. Sinjed en tant que mascotte. Liberto aussi va venir. J'aimerais bien qu'on fasse une vente aux enchères de Sinjed. T'es sérieux? Non. Ouais, je suis sérieux, pourquoi? Non, tu peux pas. Non, non, d'accord. sérieux. Bah Tu peux attends, mais pas. tu penses vraiment qu'il vaut cher ton bac à crotte là? Mais mec, viens, on vend Thomas direct, ça a rapporté plus de En fait, j'ai peur qu'il s'attaque aux chèvres, Sinjed. Moi personnellement, j'avais deux chats et deux chèvres et il n'y a eu jamais eu de galère. Ah ouais? Mmh. Ouais. Tu connais ton animal et tout? Ouais, un peu. Ok. Ah, au pire, un de ces quatre, la chèvre va lui foncer dessus, il va arrêter de l'attaquer, hein. Oui, au pire, ouais. Mais un chat, ça s'attaquera pas à une chèvre, hein. Y a-t-il encore une possibilité que Walid join la GL House? Moi, je suis pas fermé, frère. Je suis pas fermé. C'est en gros, c'est plus. C'est frère, c'est super compliqué. Y a rien qui est jamais mort à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment, et je pèse mes mots, y a rien qui est vraiment mort à 100%. Maintenant, que Walid vienne à la GL House, oui. Qu'on retrouve une amitié comme on l'avait avant, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui. C'est ça un peu le Ce qui pourrait poser problème. Et Nono, Nono frère, Nono, si jamais dès qu'il a son bac, qu'il a 18 ans, il veut venir à la GL House, il vient à la GL House, cousin, et au moins je pourrais lui faire des trucs de fou, frère, je pourrais l'enterrer, je pourrais l'emmener là, là-bas, 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 vu qu'il sera majeur. Faites passer le message à Mélenchon, donc il doit retirer GL sur Twitter. Ça, c'est vrai que c'est terrible. Ça serait fait cet été, c'est sûr, mais là, le problème, c'est que là, alors là, frère, avec tous les trucs que j'ai eu, j'ai vraiment pas calculé, hein. Ouais, c'est trop bizarre. Minos n'est pas JL, Minos c'est le frérot. Donc il viendra pas habiter à la GL House. Par contre, si jamais il veut venir à la GL House et qu'il veut passer une semaine, 2 semaines, 1 mois avec nous, genre en mode pote et tout, il est le bienvenu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est absolument le bienvenu. Je sais que c'est dur, hein. Il faut penser à tout le monde là. La boutique JL, ça arrive. Ça arrive et je vais vous dire la vérité. Je suis super content, vous savez pourquoi, Elias est fake. Parce que la boutique JL sera officiellement une entreprise familiale. Je vous dis la vérité et ça commence. Ça, je suis trop content, les frères. Alors qu'on est une communauté, désolé, mais même si je suis ban de Twitter ou Twitch, parce que je n'enlève pas le JL, je m'en fous, sérieux, on se soumet. Mais C'est pas frère, méchant, entre parenthèses, il y a marqué. oui, mais non, mais c'est pas de la soumission, frère, si jamais tu vois ça comme de la soumission. Frère, faut voir. Après, dans sa bio, il a 14 ans. Oui, voilà, ok, d'accord. Ok, ouais. Pour lui, c'est un résistant, là, un anarchiste. Oui, mais frère, ouais. mais non, faut pas penser. En fait, faut pas on penser comme ça, frère. D'un côté, mais ouais, comme on il a vous dit, comprend, les gars, mais c'est pas. On est plutôt vous quoi, êtes pas. C'est juste. C'est On pas comme se si vous fait étiez en train. discret. C'est pas comme si vous soumettiez, parce que même le mot soumettier il est pas bon, mais c'est pas comme si vous écoutiez ce qu'un random il vous demande, là. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un de Twitter, un random Twitter qui vous dit ouais, enlève le JL ou quoi, je sais pas quoi. Là, c'est nous, frère, c'est les fondateurs, les créateurs, cousins. Et puis, de toute façon, je vais vous dire la vérité, la JL ça a toujours été une dictature. Donc voilà, frère, ça a toujours été une dictature, frère. La JL, ça, on vous l'a jamais caché. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, nous, on vous le demande. Ça veut dire là, je suis même pas encore en mode, je suis même pas encore énervé par rapport au truc et tout. Vous Mais voyez, moi, tout se passera bien et donc du coup, on pourra durer le plus longtemps possible, frère. Et vous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Vous aurez participé à ça. Maintenant, si jamais vous voulez nous mettre des bâtons dans les roues, si jamais vous voulez nous mettre des bâtons dans les roues, mettez-nous des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mettez-nous des bâtons dans les roues. Maintenant, vous serez pas avec nous. Pourrais-tu porter plainte contre un mec qui veut pas enlever JL et qui fait honte à la jobless? Mais non, frère, parce que je vais porter plainte. Sérieux ou quoi? Les meilleures questions.
Est-ce que tu proposes aux autres streamers de devenir JL? Ah, d'autres streamers de devenir JL? Non. 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 On pourra le me remettre un jour? Oui. Les gars, si vous voulez, si peut-être. Vous êtes fièrement quand... amoureux attends, de la attends, JL... attends, attends, juste parce que je veux pas que ma phrase elle soit ambiguë. Oui, vous pourrez peut-être le remettre le jour où on vous dira, les frères, vous pouvez remettre. Vous viseriez quoi comme sponsor pour la JL House? Ce serait quoi vos marques de prédilection? Plutôt alimentaire? Vêtements? Sport? Franchement, on est ouvert à tout. Je dis la vérité, on est ouvert à tout, frère. Je vais mettre. Ok. Moi, je suis un viewer. Est-ce que je dois enlever le JL sur Twitter? Oui, si t'es un viewer, tu dois retirer le JL sur Twitter. Si vous êtes sponsorisé par des bonbons dans lesquels il y a de la gélatine de porc, vous acceptez? C'est une vraie question, ça, ou pas? Bah oui. Thomas, ça veut dire que si on l'enlève pas, on aura une chance de te parler vu que t'as dit que je t'occuperai de ce qu'ils font pas. Mais non, frère, je vais pas vous envoyer un DM pour vous dire enlève-le. Il y aura 48 heures. En gros, au bout des 48 heures, si jamais de ceux qui l'ont, eh ben, on va juste vous bloquer. On va pas vous envoyer des DM pour vous dire wesh, frérot, comment tu vas? T'as oublié d'enlever le JL, frère. On va juste vous bloquer. Non, allez, j'ai de fou d'avoir été clair avec ça. J'espère que la plupart d'entre vous ont compris qu'il y avait vraiment pas de problème avec qui que ce soit. Juste là, c'était une phase un petit peu tournante de ma carrière et de la carrière et de la JL en général. Donc il fallait prendre des décisions. C'est soit je me contente de me contenter de ce que j'ai et de dire non, ça s'est toujours bien passé, ça se passera bien jusqu'à la fin de ma vie. Et soit il fallait qu'on prenne les devants pour que ça se passe encore mieux. Je vais mettre le summon parce que je veux pas, ça va me retomber dessus et vous le savez très bien, les frères, et vous le savez très bien. Que si jamais vous commencez à insulter ou à faire des trucs bizarres, ça va me retomber dessus et vous avez pas envie de mon malheur, donc vous allez être sage. En gros, pourquoi Srambad il a dit ça? Parce que Srambad et moi, y a rien eu de méchant, y a pas eu d'embrouille, y a pas eu de bagarre, y a pas eu de trucs et tout. Juste, humainement, on n'est pas compatible. Ça veut dire on n'est pas potes, mais y a pas de C'est limite des gamineries, tu vois. Juste, voilà. Tu vois, c'est comme ça, on peut pas aimer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire lui, il me voit, il se dit oh non pas lui. Moi je le vois, je dis oh non pas lui, tu vois. Mais après, ça, est-ce que ça nous empêche de travailler ensemble, d'être dans la même structure et tout? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout le monde est clair? Est-ce que je peux lancer GTRP et je peux aller mettre des morts RP là un petit peu là? Je commence à avoir une boule au ventre là, je peux aller mettre des morts RP depuis 24 heures, frère. Je commence à pas être bien là. Si, bonjour. Toi, attends, à mais fils de pute, toi, j'étais à RP, ça y est, t'as give up, toi, c'est plus ton problème là. Bah frère, mais écoute, je me porte très bien sans GTA, alhamdoulé, frérot, moi j'ai pas besoin de. Mais c'est pas une question de bien se porter ou pas, c'est que viens jouer ensemble, tu vois. Tu sais pourquoi j'ai arrêté ou pas? En fait, lui, il venait juste sur Flash. Ah, tu venais pour la hype? Pour la non. Hype. Non, ah, non, bro, tu venais pour la hype? Et frère, attends, un seul mot. La solution, elle est dans un seul mot, les frères. Elle est dans un seul mot. Et ceux qui sont viewers le savent. Sur GTRP, Flash. Ah, tu nous prends en otage. Je ne m'amusais pas. Ah, donc il faut être en viewer pour comprendre. Ah bon. je me suis dit attends, mais là c'est pas cool. C'est pas cool, frère. Je sais que Walid, c'est pas un truc que lui il pense, tu vois. Je sais que c'est pas un truc que lui pense et tout, mais ça a pris cette proportion là parce que en fait les gens, moi je vous ai rien demandé, tu vois. Moi Walid je l'aime bien, vraiment. Et même si vous allez me dire oui mais tu l'aimes follow, oui mais tu lui parles plus, oui mais nanana, j'ai pas de haine avec lui, tu vois. En gros c'est genre c'est Walid il a fait ses choix, c'est pour moi et pour lui. Je me suis dit on passe tous les deux à autre chose, comme ça au moins il y a pas de comme si c'était ma meuf. Tu vois quand t'es avec une meuf et que tu l'aimes de tout ton cœur. Eh ben quand tu veux passer à autre chose, eh ben il faut pas, tu vois, faut passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être con, hein. C'est tarpin contre ce que je dis, tu vois. Il y a eu des trucs, je vais pas tout vous déballer et tout, tu vois. Mais voilà. Bref, quand j'ai entendu ça, ça fait que j'ai réagi, frère. Vous avez capté que moi personnellement j'étais touché, tu vois. Donc vous, ça vous a sûrement fait réagir. Et vous étiez pas content. Maintenant moi, ce que je veux pas, c'est que ça parte en guerre, parce que Walid, quoi qu'il arrive, même si vous estimez qu'il a fait un mauvais choix, il y en a qui estiment qu'il a fait un bon choix, peu importe, tu vois, ça reste un petit gars gentil, tu vois. Walid, c'est un bon gars. Personne ne peut dire Walid, c'est un méchant gars. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au JL sur Twitter, c'est que en gros,
il y avait il a pas à mettre JL vu qu'il est Prism, tu vois ce que je veux dire? Moi je peux mettre JL parce que je suis un créateur de Prism, je suis un fondateur, j'étais là au début, JL c'est arrivé après. Donc forcément lui, à partir du moment où il dit non, moi je vais être à 100% Prism, il faut qu'il soit à 100% Prism. J'ai un t-shirt de l'Algérie, je viens avec une AK-47, je tire sur tout le monde. Papa. BFM TV, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est un Algérien. Regardez les Algériens. Une deuxième fois, j'arrive avec un t-shirt de l'Algérie, je tire sur tout le monde. BFM TV, ils vont dire quoi? Regardez, un Algérien. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, tu vois. Sauf que, à côté, il y a des gens, ils marchent avec un drapeau d'Algérie sur le torse et qui sont tarpins bien. Tarpins bien. Il y a des gens, ils ont un drapeau de l'Algérie, ils se comportent super bien. Sauf que le problème, c'est que BFM TV, vu que tout le monde porte un drapeau de l'Algérie, eh bien BFM TV, ils disent, regardez, les Algériens, c'est fils de pute. Vous voyez ce que je veux dire, mais là, ou quoi? Oui, mais tu leur donnes raison. Non, il y a, s'il te plaît, c'est vraiment pas le moment. Frère, Elias, je te promets, je veux bien qu'on en parle, mais frère, de bout en bout, c'est pour notre bien. Maintenant, il faut qu'on se fonde dans la masse. Je vais vous dire un truc. Le monde JL, la philosophie JL, c'était tout niqué. On a tout niqué. Ça veut dire maintenant, on n'a plus besoin de bomber le torse tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'a plus besoin de bomber le torse tout le temps, de montrer qu'on est là, de montrer notre truc et tout, tu vois. On encule tout le monde, frère. On encule absolument tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il y a des gens, ils sont encore en train de parler de stats, des gens sont encore en train de comparer à des gens et tout, frère. On encule tout le monde. On prend Twitch, on l'encule à deux. Mais vraiment, ça veut dire que en fait maintenant, à cause de certains trous du cul qui ne sont pas gérables, parce que malheureusement la communauté JL elle devient de plus en plus grande et je vous remercie, tu vois. Je vous remercie, mais maintenant ça s'appelle le revers de la médaille. Ça s'appelle le revers de la médaille. Et si jamais on attend de plus en plus, l'image de la JL elle continuera à se ternir. Il y avait qu'une manette, et ben quand je jouais, et ben j'essayais de faire rire mes potes, comme ça ils me demandaient pas la manette. Au moins c'était moi qui pouvais jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi je vais repartir comme ça. Et maintenant par rapport à Elias et Fake, Elias et Fake, mes frères, jusqu'à la fin de ma vie, JL à la vie à la mort, cousin. Que Dieu m'en soit témoin, que je ne vous abandonnerai jamais, même si je perds 4 millions d'euros, frère. Je vous dis la vérité, tant pis. Je suis trempé. Non, la vérité, j'ai trop essayé de trouver des trucs un petit peu de partout. J'espère que je trouverai des solutions qui vont être bien, mais je vais moins me prendre la tête. Maintenant, je vais me contenter de vivre. Je vis ma vie avec mes potes. Et niquez-moi, cousin. Et les frères qui même me suivent, qui me suivent pas même pas, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faites ce que vous voulez. Moi, je me prends plus la tête, frère. J'ai fait ce que j'ai pu. Rien que je plane. Fuck tous tes problèmes, bitch. Rien que je plane. Je suis dans ma navette. Rien que je plane. Fuck tous tes problèmes, bitch. Rien que je plane.